Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission sur Mad la Radio, dernière émission de l'année qui aura lieu donc au collège de Plozévet. Durant cette émission, on va parler de différentes choses, principalement de jeux vidéo avec le prof Layton, également jeux vidéo Pokémon, ainsi que les garçons font sur Dofus. Il y aura également une chronique de Laura sur les différentes superstitions en France et dans le monde. On fera une petite pause musicale également en écoutant Tosta Boeta. Et pour finir, Mick nous interprétera une petite chanson. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne émission. On se retrouve à la fin. À tout à l'heure. C'est composé d'une trilogie complète, le professeur Layton et le curieux village, le professeur Layton et la boîte de Pandore, et enfin le professeur Layton et le destin perdu. Il y a une autre trilogie incomplète, elle va bientôt sortir, le troisième, professeur Layton et l'appel du spectre, professeur Layton et le masque des miracles, et enfin le professeur Layton et l'héritage des Aslantes, qui n'est pas encore sorti, mais il va venir. Et enfin le seul film dédié au professeur Layton qui est intitulé « Professeur Layton et la diva éternelle ». Le professeur Layton et le curieux village racontent l'histoire du professeur à Saint-Mystère où il rencontrera Flora. Le professeur Layton et la boîte de Pandore racontent le voyage du professeur et de Luc, son apprenti, à l'intérieur du Molantari Express et de l'enquête Affelsons, pardon. Le professeur Layton et le destin perdu racontent l'aventure du professeur et de Luc dans le Londres du futur après avoir reçu une mystérieuse lettre une semaine après l'accident de l'expérience du docteur Alan Stangen. Le professeur Layton et l'appel du spectre racontent la rencontre entre Luc et le professeur Layton alors qu'un terrible spectre menace la ville de Mistellerie, la ville natale de Luc. Le professeur est alors accompagné de sa nouvelle assistante appelée Amy Altava. Le professeur Layton et le masque des miracles racontent l'aventure du professeur Luc et Amy à Dorémont, une ville au beau milieu du désert, alors qu'une personne appelée le maître du masque terrorise la ville. Bizarrement, cette personne est affublée du masque du chaos qui était tombé avec Randall, l'ami d'enfance du professeur. Le professeur Layton et l'héritage des Aslantes n'est pas encore sorti en France, mais il est déjà au Japon. Le professeur Layton et la diva éternelle se passent entre l'appel du spectre et le masque des miracles. Le professeur et Luc sont invités au Grand Beton par Janice Catlan, une ancienne élève du professeur devenue cantatrice. Peu après la prestation de cette dernière, un jeu appelé la chasse à la vie éternelle est lancé. Le professeur et Luc seront emportés malgré eux dans ce jeu dangereux. La chronologie du jeu est le Professeur Layton 4, Professeur Layton le film, Professeur Layton 5, Professeur Layton 6, Professeur Layton 1, 2 et enfin Professeur Layton 3. Personnellement, je trouve que les jeux sont tous très bien et que les énigmes sont très bien faites malgré le fait qu'il faut utiliser une caisse SOS pour débloquer un indice. Je vous laisse et n'oubliez pas, toute énigme a une solution. Les chats noirs sont depuis longtemps une marque de menace, c'est ce que nos ancêtres disaient. Les chats noirs étaient vénérés il y a longtemps par les pharaons. En réalité, les chats noirs ne portent pas malheur, car de nombreuses personnes ont un ou des chats noirs et que rien ne se passe jamais. Les chats noirs sont juste des chats normaux avec des poils noirs. Les superstitions sont des croyances, mais elles ne sont pas vraies. Il existe de bonnes superstitions et de mauvaises. Je vais vous en citer plusieurs. Superstitions diverses. Briser un miroir apporte 7 ans de malheur. Si un chat noir traverse devant vous, cela porte malheur. Passer sous une échelle porte malheur. Utiliser les béquilles de quelqu'un qui en a réellement besoin peut vous faire subir le même sort. Porte bonheur d'hiver. Trèfle à 4 feuilles.
pattes de lapin, croiser les doigts, voir un arc-en-ciel. Porte-malheur d'hiver, mettre le pain à l'envers, perdre ou briser son alliance. Se lever du pied gauche, prendre un bain après le repas, passer le balai la nuit dans la maison. Et donc après ces différentes chroniques, maintenant la pause musicale. Forgets the sense of humanity. Don't want a mistake again. No one can take care. We're gonna bring you down without no fear. Revolution or a revolution, we're gonna put an end to that situation. Put me down. I and I just are feeling stronger when every day you just got to listen this word I method, method, method. Evolution or a revolution, we're gonna put an end to that situation.
Et maintenant, tout de suite, on repasse aux chroniques avec les garçons pour la chronique d'Ophus. Allez les gars, c'est parti. Y'a tout le monde, c'est Sport 739 et je suis avec Apollon 29. Donc là, on va vous faire une petite chronique sur Dofus. Donc, Dofus, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un jeu sur internet, donc en ligne. Hein, donc, vous pouvez rencontrer d'autres personnes, c'est plutôt sympa, hein, vous pouvez discuter. Alors, le but du jeu, en fait, ça commence par créer un avatar. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a comme sorte de personnage. Enfin. Il y a plusieurs personnes, par exemple le Yop qui est plus l'humain comme nous, qui lui se bat avec l'épée. On a le Kra qui est pareil que nous, mais c'est avec un arc. C'est vraiment les deux principales persos que les gens prennent d'habitude. Hein. Après je vais vous dire un petit truc, c'est plutôt sympa. Donc si on regarde par exemple Kra. À l'envers, ça fait arc. Ça, c'est plutôt impressionnant parce qu'ils ont trouvé des bons noms pour, par exemple, le Kras, c'est celui qui est avec l'arc. Le Yop, c'est le poids. C'est... Il n'a vraiment qu'un petit poids, il est vraiment débile. Par exemple, on a l'Eneripsa qui, lui, est là pour soigner, pour vous soigner. Ou tout simplement. Et à l'envers, Eneripsa, vous pouvez regarder, ça fait aspirine. Donc, c'est plutôt sympa. Alors on a dit Yop, Kra, Eneripsa, donc on va dire Roublard, Sram, Enutrof, Ekaflip, Xelor, Feka, y a les Obal aussi, il y a les Obal qui sont plutôt sympas. On a Sram, les Sram, je crois qu'on a déjà dit. Donc on a plusieurs sortes de magie. Bon, ça c'est un peu plus compliqué à dire. Par contre, on a des caractéristiques. Alors, ces caractéristiques, donc on a terre, eau, feu, sagesse, agilité. Alors, la terre, ça serait par exemple pour le Yop. Alors, un terre Yop, c'est plutôt cool parce que ça rocks. Alors, rocks, ça se bat super bien. Donc, en fait, c'est pour vraiment augmenter vos dégâts et vos capacités à porter aussi les objets. Donc par exemple pour un Kra, ce serait au feu terre, à peu près ça serait un peu un mélange. Alors la sagesse, ce serait surtout pour XP, donc pour avoir de l'expérience plus vite, parce que la sagesse ça vous augmente beaucoup plus vite. Donc une panneau qui est conseillée hein, principalement pour XP du level 0 à 60 ou 70, c'est la panneau du Prespic, alors qui est plutôt sympa aussi, qui est plutôt drôle. Alors vous pourrez aussi augmenter vos points de vie et les points de caractéristiques vous les obtiendrez en passant des levels. Donc vous aurez au moins 5, vous aurez 5 points pour augmenter vos points de caractéristiques par niveau, donc par niveau passé, hein. Ça, c'est plutôt cool. Donc par niveau, vous aurez de plus en plus de sorts, hein. Donc par exemple pour le Yop, pression, on a concentration au niveau 21, on a coupé niveau 26, on a qui est une attaque feu hein, d'ailleurs, on a colère du Yop, qui va être la meilleure attaque de Dofus pour le Yop. Donc, colère du Yop connu sous le nom de Coco, qui va faire vraiment beaucoup de puissance sur l'adversaire. Donc le but c'est d'arriver jusqu'au niveau 200. Il faut avoir des kamas. Alors les kamas, qu'est-ce que c'est? Les kamas, c'est tout simplement l'argent dans Dofus. Donc les kamas vont vous servir à acheter des panoplies, des équipements ou des potions ou plein de choses qui va vous servir à continuer dans l'aventure et avoir de plus en plus de caractéristiques pour frapper de plus en plus fort. Alors par exemple, ce qui est conseillé dès le début, hein,
donc on a la panneau aventurier. Sinon, on a la panneau bouffe pour le yop. Hein. Panneau bouffe terre et feu. Après, sinon, quand vous aurez, par exemple, la tenue entière, tout entière, ça vous rajoutera un de PA. Donc, c'est des points d'action. Les points d'action qui vont vous servir à attaquer les mobs. Hein, donc, mobs, qu'est-ce que c'est ? C'est les monstres. Hein. Donc, au tout début du jeu, vous commencerez à incarner âme. Hein, donc, c'est là où vous allez passer les 10-15 premiers niveaux, à peu près. Après, vous allez devoir descendre à Astrub en prenant un téléporteur qui vous amène de Incarnab à Astrub en montgolfière. Pardon. Et après, si vous voulez aller plus loin dans l'aventure, il faudra s'abonner. Et comment s'abonner ? Alors, soit il faudra appeler sur le site officiel de Dofus, soit envoyer un SMS au site officiel de Dofus aussi. Soit payer 250 000 Kama donc pour avoir des ogrines, enfin pour s'abonner, ça, ils vous donneront un code. Alors sinon plus, hein, ça peut être plus, ou même moins, des fois ça tombe sur des gens plutôt sympathiques. Bon, je vais vous passer à Apollon 29, donc il va vous faire la fin de la chronique, puis on se retrouve après tout à l'heure avec la petite chanson « Je quitte ». On peut aussi faire certains métiers comme alchimiste qui permet de faire des potions, bûcheron pour couper du bois, faire des planches et les vendre pour se faire des kamas, paysan, boulanger, ce qui est conseillé pour se faire un maximum de kamas, car paysan vous permettra de faucher des céréales, d'en faire des farines, et après grâce à boulanger en faire des pains que vous pourrez vendre plus ou moins cher. Bijoutier, tailleur et cordonnier vous permettront de faire des objets qui vous augmenteront vos caractéristiques et aussi vous pourrez aussi les revendre pour justement vous faire des kamas. Vous pourrez faire aussi du PVP, player versus player, c'est-à-dire vous battre contre des personnages qui sont comme vous à partir d'un certain niveau, niveau 50. Vous pouvez vous mettre d'alignement neutre dès le départ ou bontarien et même brachmarien. Vous pouvez agresser que les, si vous êtes ange, seulement les brachmariens, et pour les brachmariens seulement les bontariens. Au début vous aurez 0 kama à l'aventure, ce qui est très énervant. Pour la panoplie, ensuite, vous devrez vous faire des kamas en vendant des objets ou autres. Et ensuite, vous pourrez justement vous en acheter pour soit mieux XP ou sinon vous diriger vers le mode PVP pour vous faire aussi, pour augmenter votre grade. Le point positif est que le jeu est très très bien et je vous le conseille fortement. Salut, salut! Je rage quitte, me demande pas pourquoi j'ai quitté la partie. Parfois j'hésite de me payer un lobby. Marre des campeurs, trickshotter et booster. Laisse-moi quitter cette partie. Pour éviter trajet, je prends le lance-roquette. Mais je me fais défoncer par la mallette. Je sais que ça fait loup de mes détecteurs de cible. Mais je veux le mettre pour parachute. Un beau jour j'ai rencontré un de mes abonnés. Et là je me suis dit je dois pas rage quitter. On est tombé dans ce game en R&D. Mais malheureusement, je n'ai pas pu résister. Je rage quitte, me demande pas pourquoi j'ai quitté la partie. Parfois, j'essaie de payer un lobby. Marre des campeurs, donc shooter et booster. Laisse-moi quitter cette partie. Pour éviter trajet, je prends le lance-roquette. Mais je me fais défoncer par la palette. Je sais que ça fait nous de mettre des détecteurs de cible. Mais je veux le mettre pour parage-quitte.
sûrement me repayer une manette. Ça fait déjà la dixième que j'achète. La vérité c'est que je m'auto-suicide pour éviter que je rage quitte. Et tous ces gens qui disent de faire du dessert tôt, allez leur dire que je prends le dessert tard. Merci à ceux qui disent radios antennes malgré ton ratio de merde. Un beau jour j'ai rencontré un de mes abonnés, et là je me suis dit je dois pas rage quitter. On est tombé dans ce game en RD, mais malheureusement je n'ai pas pu résister. Me demande pas pourquoi j'ai quitté la partie. Parfois j'essaie de payer un lobby. Marre qu'en faire plus shooter et booster. Laisse-moi quitter cette partie. Pour éviter le trajet, je prends le lance-roquette. Mais je me fais défoncer par la mallette. Je sais que ça fait double de mes détecteurs de cible. Mais je veux l'être pour parachute. Pokémon noir et blanc. Au début de l'aventure, vous pouvez choisir d'être une fille ou un garçon. Ensuite, vous devez partir de chez vous et aller voir le professeur pour recevoir votre premier Pokémon. Vipélière, Moustillon ou Grookey. Donc, à ce moment-là, vous devez choisir entre ces trois Pokémon. Vous devez donc partir à l'aventure avec votre Pokémon et devez traverser beaucoup de villes. La première grande ville à traverser sera Volucité. Dans cette ville, il y a une arène, un centre Pokémon, un magasin, une marchande de glace, etc. Vous devez battre les champions d'arène pour pouvoir repartir. Vous devez donc traverser de nombreuses villes et de nombreux ponts. À la fin du jeu, vous trouverez soit Reshiram si vous avez Pokémon version noire, soit Zekrom si vous avez Pokémon version blanc. Donc nous voici maintenant arrivés à la fin de l'émission. Pardon. Donc merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'était donc la dernière de l'année. On se retrouvera donc en septembre prochain pour une nouvelle année, en espérant qu'il y ait autant de jeunes qui viennent. Vous retrouverez l'émission sur notre site, donc madlaradio.fr. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut à tous!